l'opéra déjanté qui nous parle d'opéra, qui nous dévoile les coulisses de la création lyrique. Et ce n'est pas triste, car dans ce monde impitoyable, on ne se fait pas de cadeaux. Lorsque Donizetti compose cet opéra en 1827, il s'inspire d'une comédie qui pointe les travers des chanteurs lyriques. Plus de 180 ans plus tard, le sujet n'a pas pris une ride et les 10 jeunes chanteurs professionnels s'amusent de ce making-of d'opéra plus vrai que nature. Mais toute ma famille du Nord. En Scandinavie, j'adore la Norvège. Non, mon bœuf. De l'humour donc, mais sans oublier la beauté de la partition de Donizetti et le regard sur les codes de l'opéra du 19e qu'il apporte, la disparition du contre-ténor ou le rôle comique du travesti. Mais le ton reste léger avec une mise en scène débridée et une mise à nu de l'opéra résolument moderne et surprenante.